Et salut à tous, je suis avec Guillaume pour jouer cette fois-ci à, vous l'aurez compris, Ridge Racer Salut, partie salut! 4. Salut Guillaume. Alors, d'ailleurs, tes impressions sur cette introduction, évidemment. Oh mon dieu, je suis amoureux! Là, mon Ah dieu. putain, incroyable intro, hein, franchement, pour 99, le top du top de l'image synthèse, encore aujourd'hui, ça claque. Ça nous fait rêver, ça nous fait voyager. Et du coup, Icona gazé, voilà. l'homme qui a voulu refaire l'original en 3D. Ouais. Bon, Ah j'ai toujours en work in progress pour ceux que ça intéresserait. là, alors du coup, on va faire un VS Battle, hein, parce que je crois que c'est le seul mode jouable en multi. Là, tu me suis. Oui. Donc c'est parti. Alors, on valide avec rond et pas avec la croix, ce qui est un peu paradoxal. C'est souvent le cas dans les jeux japonais d'ailleurs, mais là on est sur une version qui est pas jap. Tout à fait, Thierry. Tout à fait Thierry, donc on va choisir le. Alors je pense qu'on n'aura pas beaucoup de véhicules hein, parce qu'on n'a pas avancé dans le jeu. Je me réserve la Assoluto Bisonte si elle y À vos souhaits. En tout cas, c'est quoi ces modèles de fou? J'ai jamais vu ce modèle, mon C'est des dieu. concepts. Alors je sais qu'on pouvait débloquer Pac-Man dans la fin du Non, mais jeu. dans le jeu, il y a des voitures de malades. Hein. Il y a des trucs de malades dans Ridge Racer. On dirait en fait une voiture et sa variante un peu sportive en fait. Ouais, la Mais body, il y la avait même body une en voiture fait. fusée. Il y avait même une voiture fusée qui allait, je sais plus, à 500 km/h, un truc comme ça. Bon, bah moi je prends la toute petite. Pouvez remarquer que la musique est remixée. Hein. Ah oui, effectivement, Le moteur sonore de la PS1 on n'en peut plus. est... Donc bon, je vais faire ça. On peut changer la couleur, tiens, ou pas? Non, pas. Moi j'aime bien ce petit remix, hein, franchement. Petit tapis sonore. Ouais, j'avoue, je sais pas Ça si ferait c'est pas presque ça. le taf, quoi. Welcome. Ah, mais je suis con, T'appuies j'en. sur croix? Non, mais oui, bah oui, voilà, j'appuie sur la Il croix, évidemment. le dit lui-même et il fait la boulette. Oui, mais Non, mais je vous exactement. jure. Alors, on va repartir, du coup. Bon, on sait ce que je vais prendre. Voilà, parfait. On va prendre la petite voiture blanche, on va faire OK, on va faire automatique, et à vous, monsieur. Et Zinepout ne marche La pas! personne ne marche Attends, attends, je vais essayer de reset Si, mon ça a truc. Attends, bougé, je ça a bouge. bougé. Ça a bougé? Ouais, regarde. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, effectivement. Bon, c'est bizarre. Ça voulait pas et là ça marche. Bon, écoute. Bah écoute, on va partir sur un petit pied d'égalité. Moi je dis, hein, comme ça Ah. c'est carré. Non, c'est pas carré, justement, c'est rond pour sélectionner. Alors, start. Petit Là trait là, d'humour, toujours. Comme carte, par contre, c'est quoi? On peut choisir le nombre d'ennemis quand tu veux. Ah, on peut mettre. mais. On Mais fait en pas, entre mais en nous? pas. Ouais, entre nous, entre nous. Ah, la musique, Franchement, vu comment se comporte la musique, je me demande Ouais, comment vont comment se ça comporter les sons du jeu, les voitures, etc. Tu veux Ça peut combien de être tours? intéressant, hein. Bon, vas-y, mets-nous 2-3 tours. Trop de tours. Ok, oui, j'ai peur pour la musique, malheureusement. C'est toujours une expérience, hein. Alors non, je vais mettre celle-là, désolé. Alors, Par Pearl Blue Soul, ouais, défaut. ça me va, ça me va. Le son a l'air magnifique. 3, 2, 1, go! Ah, la musique marche déjà. Ça marche! Comment change de vue déjà dans ce magnifique Triangle. jeu? Oui. Oh mon dieu. Alors là, j'ai l'impression d'être. Salut! Alors, j'ai déjà l'impression d'être bourré sur Bubsy, mais alors c'est encore pire. Alors, le jeu est totalement amélioré, tu feras pas sûrement attention. On a le Pourquoi mode. j'arrive pas à drifter? Faut que tu lâches avec ça, attends. Tu remarques que le jeu est totalement Ah! lissé en fait, au niveau des graphismes. Il n'y a pas l'effet d'escalier, et puis surtout, il n'y a pas l'effet de texture qui bave, parce qu'on est sur un émulateur, et l'émulateur met cette option-là. Oh! Dur! En tout cas, je suis sûr de finir sur le podium, c'est déjà la bonne nouvelle. Ouais, mais toi tu drifte pas là! Si, je dorifto, je viens de Donc dorifto tu fais juste pas le spectacle! C'est clair. Bon alors, Guillaume, parlons de voiture en voiture. Pourquoi aimes-tu tant ce jeu? Pourquoi j'aime ce jeu? Ah, mais putain, c'est une bonne question que je me suis jamais posée. Bah écoute, déjà, c'est un jeu auquel j'ai joué très jeune, même si c'était pas directement le type 4. J'avais joué à Ridge Racer, donc la première version qui était sortie sur PS1. Et de fil en aiguille, après, bah, j'ai aimé la cinématique de Ridge Racer Type 4 et ses musiques, etc. Je m'étais acheté Ridge Racer à la sortie de la PS Vita et je me suis beaucoup intéressé à l'univers du jeu. Et voilà.
Et d'accord, donc pour toi le meilleur c'est lequel, c'est celui-là ou c'est un autre? Non, pour moi le meilleur ça serait c'était un sur PS2, c'était pas le 5, c'était peut-être le 6 ou le 7, je sais plus. D'accord, mais c'est sur PS3, un des opus PS2. Comment? Sur PS3 le 7 il me semble. Non mais non, c'était un sur PS2, je sais plus exactement lequel. Le 5 premier avec la fille, non, de son introduction. Non, c'était pas le 5, je crois pas que c'était le 5. Alors, j'ai vraiment un doute. Ah bah alors c'était sûrement le 5. Ah, vous savez, la mémoire, c'est quelque chose qui me fait défaut. Ah là là. Bon, je t'ai attendu. Ah là, hein, j'arrive pas à drifter. Hein. Bah, il faut que tu lâches l'accélérateur et tu tournes plus. Et tu vois, je t'accélère d'un coup et tu tournes et hop, ça part. Ah, mais t'as pas besoin de freiner. Non, ouais, moi je freine même pas en fait. Enfin, en fait, il faudrait freiner, mais. vraiment, la voiture, je la trouve pas terrible parce que je retrouve pas mes sensations. Je pense qu'il faut changer de voiture. Bon, de toute façon, on va attendre de chercher. Une voiture. Le mauvais joueur, tu sais. Exactement. Bon, après, on s'est pas dit avant de jouer, j'ai toute la misère ou pas. Hein, je découvre le multi en même temps, donc voilà. Ah, ça, je commence à reprendre un peu là. Après, on a peut-être pas pris la voiture à partir de trois tours. Non, on a pris un truc de base de série là. Ouais. C'est ouais, bon, bah c'est écoute. Bon, c'est pas le genre de jeu que j'aime le plus, Ridge Racer, parce que je trouve maniement assez particulier. Bon, c'est fun, hein, on veut pas dire le contraire. Mais bon, je pense que je suis un peu plus simu entre parenthèses dans le jeu de bagnole. Après, c'est un jeu qui est bien. J'ai toujours trouvé par contre ce jeu magnifique cette bagnole, il n'y a rien à faire. Même maintenant. Non, mais c'est sûr. C'est le niveau de détail, de, même s'il y a le clipping au fond, enfin, on sent qu'ils sont vraiment cassés le cul pour faire des bonnes textures, mais des bons. C'est ça. C'est un très très bon texturing. Et là on le voit pas, mais il y a aussi les effets de lumière qui sont quand même pas mal. Alors pas forcément sur les voitures, mais vraiment sur les tracés. Bon, dans les tunnels, ça c'est classique, mais on sur d'autres circuits, on va le voir, mais les effets de coucher de soleil, etc. sont vraiment bien faits. Donc voilà. Après moi j'y jouais vraiment qu'à la démo à l'époque. Vous avez des mots. Comme ça que j'avais. Je vais te boomer. Ah t'as l'air plus rapide. Je sais pas s'il y a un boost en fait quand on est quand t'es derrière. Ah non, j'ai contrebraqué, quel con. Ah, j'aurais jamais dû contrebraquer. Racing Boots. En fait, faut tac et anticiper les virages. Ouais, comme là. Alors, regarde sur ma voiture, on a un petit effet de boulot aussi qui reste présent sur les phares quand je bouge. Ça, c'est quand même excellent aussi. Il y avait même effet sur Ace Combat 3 d'ailleurs, mais en même temps, c'est même cool. Oui! Je le double! Allez, salut! Rien de double au dernier tour. Hein. On aura rien vu. Et là, je drift, et là, elle drift, mais je comprends pas, putain! En fait, ouais, mais parce que tu fais ton drift à des endroits. J'ai pas voulu lancer les drifts. On drift à des endroits qui sont complètement inutiles en fait. Là, il faudrait drifter un peu, voilà, et c'est bon, ça drifte un peu. Et là, moi, ça drifte pas. Ah, mais t'es repassé en fait. Là, par contre, c'est bon, là, j'ai drifté un peu. Mais non, mais putain, je hais ma vie. Je hais la vie, non, mais se met devant moi, ce quel bâtard. Tu l'as fait exprès, tu regardais dans mon écran, salaud. Pas du tout, j'ai négligemment perdu le contrôle. Salaud. Attendez le vieux arrière, tiens. Non. Game over. Ah non, ça, j'ai oublié Sega Rally. Oh la musique, oh là là. Ça, c'est mon préféré de l'univers Idris. On va laisser 20 secondes de pure nostalgie. Voilà, c'était pas ce qu'on a pu dans le jeu. Du coup, ouais, non, bah même le replay, enfin, il est quand même énorme. Quoi. Enfin, les caméras, tout. C'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train de me dire, c'est même mieux que quand on joue. Limite, on aurait pas joué. Ça a plus de gueule. Et les phares qui s'allument aussi quand on est dans le tunnel. Je sais pas si c'était déjà le cas dans le premier. Enfin, c'est une question pas trop. Bonne question. Puis même, les modèles 3D sont quand même assez détaillés. Quoi. Il, y a quand même il faudrait faire la démo One un jour pour. Bah écoute, moi je propose de la faire ensemble, mais on la fera la prochaine fois. Bah pourquoi pas, pas. Donc ouais, bah ça c'est pas mal aussi, le petit panneau toujours, affichage. On va changer de voiture, et on va faire un autre circuit, si on peut faire un autre circuit, je pense que oui. Hein, prenons des trucs plus boostés rapide, là. Ouais. Bah de toute façon en fait, on est peu bête parce qu'on a pris la version la plus nulle en fait. Mais prendre la même voiture c'est bien, comme ça on est... On est équivalent quoi. On va aller à un modèle un peu plus. On va faire les trois types de modèles. Ouais. On va faire le modèle moyen et après on fera le modèle un peu plus. Ok, ça me va. Parti pour celle-là.
C'est ça, non, c'est la rouge. Non, elle a pas 300 000 les miennes, donc c'est la, c'est encore avant c'est ça là. Il me semble que c'est ça là, était rouge. Et comment tu fais pour mettre la mettre en mode... En fait, c'est celle-là, c'est celle-là juste après. C'est celle-là, voilà. C'est celle-là, ok. Oh merde, j'appuie sur croix, quel mongol. Attends, juste reviens sur... Oh mon dieu. Quel mongol. Ah là là, coup dur pour Guillaume. J'espère que je vais la sortir. Salaud. Bon, on recommence. Du coup... Allez. On va y arriver. Enfin, ne quittez pas la vidéo. Ne zappez pas, s'il vous plaît. N'allez pas sur Energy 12 ou Virgin. Et puis, c'est plus Virgin en plus à la télé. Voilà. C'est MTV. Vas-y, on voit. Alors, attention. Du coup. Course name. Mettons un autre circuit. Mais un autre circuit. Ah, voilà, c'est ça. Alors, de souvenir, lui, déjà, on change d'univers. On est un peu dans le coucher de soleil, il me semble. Allez. Bah, je dis ça, mais en fait, je m'en souviens. Moi, j'aimais bien le truc arbor là. Je sais plus ce que c'était. Alors, shooting even, bright, phantom out of blue, edge wonder. Ah, ça doit être. Bon, vas-y, fais le deuxième et après, au pire, on fera le troisième. On met une voiture contre nous ou on s'en fout? Moi, je m'en fous, je préfère jouer à deux. Hein. Ça marche. Allez, c'est parti. Changer de musique, tu veux laquelle? Ouais, mais Naked Glow, c'est bien aussi. Allez, c'est parti. Oh, elles sont toutes bien, franchement. 2, 1, go! Ah oui, il y a un moment de latence là sur le son. Je suis en haut ou en bas? Ah oui, je suis en bas. Donc, ouais, bah c'est celui-là, hein. Il y avait un petit peu l'effet de fin de journée, c'était quand même pas mal. Grave. Donc là, il faut que je lâche l'accélérateur et voilà, je passe, je prends le virage, nickel. Et je pars en dérapage. Ah, c'est technique, franchement, au début. Quand je suis à l'arrêt. Alors, moi, ça, comme tu me doubles. Aïe, ça c'était pas prévu. Je retrouve mes sensations. Voilà, ouais, en fait j'ai regardé ton écran et du coup j'ai même pas regardé qu'il y avait un virage. Ouais, y'a pas de vue arrière, je suis en train de regarder, carré ça fait rien. Ouais, j'ai réussi à bien le prendre hein. Ouais, pareil. Bah, on se croirait presque dans un clip de Jamiroquai, il a tapé la bourre sur une route de montagne magnifique au coucher de soleil. Je pense que j'ai fait une excellent artiste, hein. Ouais, mais il tombe un petit peu en désuétude. Oh oui. Bon, en fait, pour l'information, Jamiroquai, il était signé avec Sony Music pour 8 albums dans les années 90. Ouais. Il en a produit 5. Et à partir du 5e, il en avait marre, quoi. Et j'avais vu une interview où il disait, bah, je suis pied et poing lié avec eux. Je suis obligé de faire encore quelques albums. Et j'ai pas envie, quoi. Du coup, il est forcé de sortir de la musique, Jamiroquai. Tout ce qu'il sort, c'est un peu forcé, quoi. Ah, c'est dommage. Ouais, mais pourtant, ça reste bon, quoi. C'est ça qui me fait halluciner. C'est que le mec n'a pas envie, et pourtant, ça reste bon. Alors là, je pense à la chose, la partie technique, quoi, du circuit. Ouais. Alors ça, c'est un des petits défauts de Ridge Racer, c'est que le système d'animation des drifts fait que des fois, t'arrives dans un virage dans l'autre sens que tu devrais. Oui. En fait, genre, ta voiture, elle se décale de façon latérale, tu sais, genre. T'as vu, j'arrive à faire drift. Alors en fait, si, j'appuie brièvement sur carré et je lâche le carré pour tourner en même temps et ça fait ouais, ouais. En fait. Voilà. Hop là. Par contre, faut pas appuyer sur accélérer trop vite, sinon j'ai l'impression que tu perds un peu la direction et que tu vas pas trop loin. Voilà, là il faut que je lâche. Oh, c'est bon, c'est parti. Là, je me suis pris le mur, moi. Par contre, on est d'accord que la framerate bouge pas. Hein. Oui. Enfin, bon, je sais pas si c'est une animation ou pas, mais. Quand même, elle est bien correcte. Et ce qui me fait mal au cul, quand même, dans l'histoire, c'est qu'en mode deux joueurs, le jeu reste plus haut quand je sature. Ah, je parlais tout à l'heure du jeu Ridge Racer PS Vita que j'avais eu. Je tiens quand même à dire que malgré que ce soit un vrai Ridge Racer et un bon jeu, c'était quand même assez un scandale. Dans la mesure où quand t'achetais le jeu, t'avais genre 3 pistes et 4 ou 5 bagnoles. Et en fait, tout était en DLC. Après, même des musiques, pour dire, des musiques des anciens Ridge Racer étaient payantes en DLC. Alors attends, juste un petit réglage, 2 secondes. Au niveau de l'audio, parce que je me rends compte... Un gros truc qui va pas trop, c'est que l'émulateur a le son trop fort.
Allez, c'est parti. J'espère que ça va pas trop gêner. Bon, du coup, je pense que le risque de la vidéo, c'est qu'on m'entende jamais, en fait. Ah. On va voir. Ça fera des vacances. Ah, exactement. Du coup, on entendra que Guillaume. Guillaume, c'est ça. Ouais, bah effectivement, là, les doubles virages, en fait, tu driftes même pas. Hein. Tu vas tout droit. Et ça passe. Ouais, la voiture, elle est penchée comme si elle driftait à gauche, et en fait, elle drift à droite des fois. C'est... Regardez, hop là, what the fuck. En fait, quand tu commences à drifter comme ça, faut que tu relâches tout et que tu ailles droite-gauche, en fait, juste pour essayer de la maîtriser. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime bien aujourd'hui, mais quelque chose que je détestais à l'époque. Par contre, c'est le système de drift, t'es sur des rails, en fait, un petit peu. Ouais, bah c'est ça. Bah t'es sur des rails, oui, bah ça fait une courbe toujours la même, quoi. Et tu peux contrôler un petit peu à la fin. Par contre, je t'attends, ouais. Parce que j'ai l'impression que t'as... Non, surtout pas, c'est une course, enfin... Enfin... Genre, le mec, il m'humilie, quoi. Non, du tout, c'est juste qu'au moins on peut se battre Je préfère perdre legit que gagner alors que tu m'as attendu. Ouais, mais c'est sûr que tu un peu, sinon c'est intéressant. Faut qu'on renégocie mon contrat, Kimi. Attends, imagine c'est Rico Nagazé, voilà, elle reste là et elle fait du stop, là. Et là, tu m'avances, t'as un enfant, Rico, même. Moi, je déteste les femmes, moi. Mon prof fait souffrir dans la vie, c'est je bon, plus. C'est bon, tu peux avancer d'être trop perdu de vitesse, là. Ouais, c'est bon. Oh, y'a Pac-Man. Ah, y'a quand même un time limit, hein, 25 minutes. Bon, enfin, avant de finir le jeu, de mettre 25 minutes à finir 3 tours, il va falloir y aller, quand même. Oh là là, je suis parti. Hein. Oh là là. Oh, c'est bon, ça passe. Oh là là, regardez, il passe sur le côté, c'est incroyable. En vrai, pour être tout à fait honnête avec vous, je préfère l'intro que le jeu. Voilà. Non, le jeu, franchement, j'aime bien. Mais c'est compliqué quand même. Ouh, là, alors, faut vraiment s'y remettre pour capter comment ça. Alors, pour préciser, quand même, on joue via Parsec, hein, donc il y a potentiellement un petit peu de latence côté Guillaume, donc peut-être que ça va rendre les choses plus compliquées. Mais après, on a 60 ms, donc je pense que quand même, ça devrait aller. Plus on joue sur petit écran. Un timbre reposte. Un timbre reposte, oui. Oh, attention, monsieur! Par contre, j'adore quand je drift et que je vois la caméra, ta caméra en fait. Je trouve ça trop stylé, quoi. Ouais, c'est ça, fais le kéké. Yeah! Je te déteste! Le mec, il allait me laisser gagner de façon comme ça, quoi. Juste pour m'humilier, quel enfoiré. Mais pas d'humiliation, je vois pas de quoi. Je vois pas de quoi vous parler, monsieur. Regardez son vrai visage. Oh, c'est... Voilà, on va pas faire le replay à nouveau. Allez, ouais. Bon, on va faire un troisième circuit. On est à combien de minutes là? On est à 20 minutes, on fait une dernière? Allez, on fait une dernière. Allez, c'est parti, ok. Donc, on va prendre une voiture la plus rapide. Bah, de toute façon, on avait prévu de faire les modèles les plus rapides. Donc, celle-là, ouais. J'hésite pas à un autre modèle qui était un peu rapide, hein, je crois que c'était celle-là. Ouais, 308 km/h. Je pense que là, ça va être intéressant. Celle-là, elle fait 312 quand même. Hein. En fait, tu prends la même. Hein, mais... Bah, je me dis, je prends celle-là, comme ça, ils auront vu les trois rouges. Ouais, on fait comme ça. En plus, j'aurai un petit avantage vu que je suis extrêmement mauvais. Oulala, ça se trouve, elle est encore plus immaniable que les autres, mais bon. Alors, on va changer de circuit. Je cache mon jeu depuis le début pour mieux t'humilier à la dernière. Exactement. Tu fais quoi comme circuit? Bah, peu importe. On va prendre un circuit pas trop difficile parce que je pense qu'avec la vitesse, on va galérer. Ouais, attends, l'avant-dernière de la le deuxième en partant de la droite. Tu l'as ? Non, encore à droite. Ah, celui-là. Celui-là ? Ok. Bon, allez, c'est parti. Et full pointe de vitesse comme ça, tu vois. Et la musique, vas-y, change. C'est objectif. Non, move me. Move me, elle est trop bien. Il y a quand même le nombre de musiques dispo quand même. C'est un CD audio le truc. Ah bah ouais. Tu pouvais d'ailleurs le mettre dans ta bagnole et ça faisait de la musique, il me semble. Bonne question. Si, mais c'était un des arguments de vente de la PS1. Même ton Braille. Ah 3, oui, tu veux dire pour le faire, Ouais, tu peux d'ailleurs. Tu le mets dans le BIOS déjà de la console, hein, tu mets le CD après, tu mets mode musique et tu peux le faire. Donc, potentiellement, t'as raison. Ça, oh là là, cette musique.
Ah, mais je me demande si c'est pas le circuit de la démo d'ailleurs celui-là. Fait un peu penser à Club Band Stage. Même beaucoup penser oui, à Club Band Stage. Qu'est-ce que t'as fait là? D'un coup on a pris la vitesse. Bah tu vois, je suis à 300, je trouve pas. Alors je pète parce qu'on est en mode 2 joueurs, donc je pense que le jeu, l'effet vitesse sera un petit peu moins grand. Mais le 300 km/h, on le sent pas trop. Alors si tu dis qu'il y a une voiture qui va à 500, c'est peut-être pour ça. Ah mais ça c'était un petit peu le problème des jeux d'avant, c'est-à-dire que non seulement ils pouvaient pas faire tellement des jeux où ils ouvraient l'ouverture de la caméra, tu sais, c'est-à-dire le champ de vision pour donner une impression de vitesse, mais en plus les textures pouvaient être peu détaillées, donc tu vois pas les petits granules de l'asphalte à 200 km/h, donc t'as moins l'impression de vitesse, mais faut te dire que les bandes blanches que tu vois, elles mesurent genre 15 mètres, tu vois. Ouais. Et là tu te dis ah oui, je suis à 300 km/h. Ouais, mais par exemple, tu prends Wipeout, ils y arrivent bien, tu vois ce que je veux dire, mettre l'effet... Bah Wipeout PS1, c'est sûr si t'as plus l'impression de vitesse que là, mais en vrai moi je trouve pas tellement quand même. Il y a des chances qu'ils jouent sur les textures, t'as plein de textures lumineuses qui se répètent très rapidement. Là on le voit au niveau du marquage au sol en fait, mais c'est tout. Ouais. Au niveau du tunnel aussi, tu vois, tu regardes sur le côté. Oui. Tu regardes sur le côté quand tu passes dans le tunnel, ouais, sur le bord de l'écran. Ça va avoir l'effet de vitesse rapide. Oh là là, putain. J'ai encore bouffé le mur. Ah ça va être court hein. C'est bizarre parce que j'avais pourtant pas mal joué à l'époque sur PS Vita à Ridge Racer Type 4. J'avais racheté sur le store et tout. Bien joué. Ah, j'avais pas fait gaffe, mais il te laisse même pas finir en plus. Non. Ouais, l'effet de vitesse, on risque de l'avoir un peu plus. Pardon. Ah, c'est souhait. Ouais, non, par contre, l'effet de vitesse, tu l'as vraiment en mode un joueur. Je sais pas si c'est le replay qui accentue le truc, mais quand même quoi. Ah, mais complètement, complètement. T'as l'effet de tremblement de la caméra aussi, légèrement. Ça, j'ai plus l'impression que c'est par rapport au rendu de. Au rendu de. C'est ce que je veux dire ? Au rendu des graphismes en fait. C'est les textures qui bougent un peu, non ? Ah, oui, mais ça, c'est la PlayStation de toute façon qui bouge un peu les. Ouais, tu sais, genre. Oui, putain, ça passe bien. Ouais. Putain, cette vue, elle est trop belle. Ouais, franchement, elle est pas mal, mais bon. Putain, on voudrait avoir une vue comme ça quand on joue, quoi, les gars. Ouais, bon, bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Donc, Ridge Racer 4, hein, vous connaissez déjà en mode 2 joueurs. Merci, Guillaume, comme d'habitude. Bah, de rien. Et on se retrouvera, bah, je pense, peut-être pour la démo 1 ou un autre jour, on verra. Bon, des bisous. Soirée à tous. Ciao, ciao.